veux pas. Ouais, on n'a pas le temps là. Ah, attends, j'ai mon train dans une heure. Elle est comment? Elle a des beaux cheveux. Mmh, elle a des cheveux magnifiques. Elle a de belles dents. Elle a une grosse joue. Elle a de grosses joues. Ouais. Oui, mais ça, c'est sympa parce que elle est jeune. Oui. Ça vous dérange pas si je vous aide? Non, pas du tout. Bah ouais, parce que parfois vous dites oui, vous aimez pas trop qu'on vous aide parce que vous marchez très bien. Entendez. Merci beaucoup. Bah de rien. Je vous prépare vos médicaments? Oui, s'il vous plaît. Ça peut être une très bonne idée ou une très mauvaise idée. Oui, mais est-ce que vous pensez que le risque il a à prendre ou pas? Oui, ça, il y a toujours un risque à prendre. Sinon, on fait rien. Sinon, c'est pire que tout. Mieux vaut foncer. Hein? Mieux vaut foncer. Mieux vaut y aller, quoi. Ah oui, oui. De toute façon, vaut mieux y aller. Soit c'est bien, soit c'est dégueulasse. Mais si c'est bien, ce sera très bien. Alors, justement. Et si c'est dégueulasse, ben au moins vous saurez. Ouais. De toute façon, faut y aller. Voilà. C'est où? C'est entre Montélimar et Valence. Ah oui. Ah oui, je connais bien la région. Oui, ben c'est très bien. Et dans sa famille? Elle est dans sa famille. Mm-hmm. Mais moi, je vais pas dans sa famille. Je vais dans un... Enfin, je vais pas loger avec sa famille, quoi. Ah ben non, ça sûrement pas. Ce serait pas bien vu. Vous êtes à l'hôtel, ou une chambre, ou quelque exactement. Chose, quoi. Ouais. Mm-hmm. Est-ce qu'à votre avis, elle sera contente de vous voir? C'est ça l'important. Je l'espère. Quoi? Je l'espère. Oui, ah bah, si vous l'espérez, c'est que vous pensez que oui. Oui. Je pense que oui. Félix! Ouais, désolé de passer à l'improviste comme ça, mais on part dans l'urgence, tu vois. C'est ça, je me dis. Après, je te cache pas, on a pas mal de séjours, là. Montagne, mer, tout ça, donc on a plus trop de matériel. Bah, nous, on prend ce que tu nous donnes, hein. Ah, ce serait bien d'avoir une deuxième tente, s'il te plaît, parce que on est deux grands gaillards, en plus mon poitier ronfle, tu vois. Histoire de... Ouais. Pour notre intimité, ce serait pas mal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est à propos de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle a ta grand-mère? Elle avait une carte de réduction? Non, elle vit pas ici, ma grand-mère. Elle vit au bled. Enfin, elle vivait. Bon, accouche. Ouais, justement, en fait, ma grand-mère, elle va pas bien du tout, là. En fait, elle est morte. Elle va pas bien ou elle est morte? Elle est morte. Cancer? Tard dans la nuit ou tôt ce matin, je sais pas trop. Le décalage horaire. Je suppose que tu voudrais quelques jours de congé pour aller voir ta famille et tout, c'est ça? Ouais, ce serait bien. Tu veux quoi, 5 jours? Une semaine, c'est peut-être mieux. Ah, une semaine? Ouais. Bah vas-y, prends une semaine. Merci, chef. Par contre, shérif, le jour où ta grand-mère sera vraiment morte, reviens pas me voir, c'est d'accord? Et quand tu auras tes partiels à la fac, et que tu voudras des horaires aménagés, je te conseille de me le demander très gentiment. Hey, cogne d'abord, cogne. Edouard, c'est ça, désolé pour le retard. Quoi? Mais... Excusez-moi, vous êtes qui, là? Bah, c'est nous pour le blablatar. Mais j'attendais deux filles, là, Félicia et Sherifa. Ouais, c'est nous. Quoi?
Non mais attendez, je veux pas qu'on prenne pour un imbécile, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, on a utilisé le compte BlaBlaCar de copine à nous. Mais ça change rien, on prend pas plus de place dans la voiture. Non mais désolé, mais c'est pas sérieux, ça change tout, ça. Ah, c'est quoi le truc touch du BlaBlaCar pour serrer les filles, c'est ça? Quoi? Non mais n'importe quoi, oh. Attendez, non mais... C'est pas ce qui était prévu, là. Et ça, c'est de la falsification de profil, ce que vous faites, hein. Je pourrais vous dénoncer à BlaBlaCar, hein. De manger derrière là. T'as laissé l'air les sièges là. Salut maman. Allô, ah mon chaton, tout se passe bien? Oui ça va. Est-ce que je peux te rappeler dans 5 minutes? Tu conduis prudemment? Oui ça va maman. Tu respectes les vitesses, hein? Moi je suis au bord de la piscine. Je me fais bronzer, il y a des grillons chauds, j'entends des bruits. Non, c'est rien, maman. Il y a quelqu'un? Maman, est-ce que je peux te rappeler plus tard? Non, mais tu as pu passer chercher mes rideaux? Oui, oui, c'est bon, ils sont dans le coffre. Ah, t'es un amour. Je te rappelle, là, je conduis, c'est vachement dangereux. Je te laisse. Mais rappelle-moi. Salut. Oui, rappelle-moi. Je t'embrasse. Bisous. Bisous, allez. Bisous, chaton. Salut. Alors, chaton, on fait du covoiturage sans prévenir ses parents, c'est pas très bien, ça. Si ça continue, moi je vous dépose à la prochaine heure, vous vous démerdez. Hein. Oh là là, le chaton il nous sort ses griffes. Et le petit vent là, il fait plaisir. Toi, c'est pas le vent de Paname, tu vois ce que je veux dire? Tu sens déjà que c'est un vent d'ailleurs. Tu vois le truc, moi? Tu commences toi. Non, ma gueule, j'ai trop hâte d'arriver. Et je vais arriver, tu sais, il va se passer quoi? Je vais arriver, je vais voir la meuf, tout ça. Tu sais, elle sera choquée, elle va faire oh, comment ça lui ici? Alors, elle va être choquée, ouais. Elle va être choquée, tu vois. Première chose, forcément, quand t'arrives dans une ville comme ça, on va à la rivière, mec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va arriver là à la rivière, il sera, je sais pas, sous les coups de 19h, 20h, il y aura plus personne. Il y aura que nous, tu vois. On va se baigner, tout ça. Nu, forcément. On va faire l'amour comme des Mohicans, mec. Tu penses pas que c'est le moment de lui dire que t'es en train d'arriver là, quand même? Toi, t'as pas capté mon délire. Mon délire, en fait, c'est de la surprendre. Je vois que la meuf, là, elle est dans ma tête comme ça. C'est qu'on a passé une soirée dans le parc, mec. Oh, je t'aurais bien raconté la soirée qu'on a passée, mais là, il y a un bon bain. Je peux pas rentrer dans... Oh, si je dérange, faut le dire. Hein. Vous prenez pour qui, hein? Attendez, vous arrivez en retard, vous me mentez, je suis pas votre chauffeur. Après, vous parlez entre vous comme si j'étais pas là. Quoi? Bah ouais, je suis énervé. C'est pas ça le covoiturage. Le covoiturage, on est sympa, on essaie de s'intéresser aux gens. Bah mais libre à toi de participer si tu veux ou pas, chaton, y'a pas de problème. Hein. Bon, regarde, t'as entendu la conversation depuis tout à l'heure. Surprise ou pas surprise? Bah je sais pas, je la connais pas. Bah, comment ça, tu la connais pas, t'as pas besoin de ça pour la connaître. C'est sa daronne. Non, t'as pas besoin de ça pour juger le truc, non? Bah. Je sais pas, vous auriez pas une photo que... Ah, il est malin, il veut une fiche technique. Attends. La situation, il suffit pas, faut une photo. Je vais lui montrer une photo d'une vraie meuf. Regarde. T'en penses quoi? Il a bégayé. Impossible de parler. Elle est jolie. Ouais, bien sûr qu'elle est. Elle est jolie, mais elle a l'air d'avoir du caractère. Non, mais le gars, il sent les photos, quoi. Mais je pense que oui, il faut lui faire la surprise. On est d'accord. Bah oui, il faut prendre des risques avec une fille pareille. T'entends? Ouais, regarde le décor de malade. Salissime! Regarde, il y a des feuillages, il y a des galets, il y
y a la rivière, il y a la montagne en même temps. C'est magnifique, c'est le paradis. Je t'avais dit, on allait au paradis ou pas? Ouais, c'est pas mal, hein. Par le centre-ville pour aller au camping? Non, mon GPS il me dit d'aller continuer là. Mais on peut quand même faire un petit tour par le centre avant de retourner au camping. Le gars il a déjà fait 30 km, tu veux encore le faire balader dans le centre-ville? Bah comme ça on enrichit sa culture, peut-être qu'il y a des trucs historiques à voir dans cette ville que Satan ne connaît pas. Ah mais les centres-villes ils sont tous pareils dans le coin, là. Vous allez me mettre en retard là. Oh non, là c'est le centre-ville d'Alma mon ami, c'est pas un centre-ville. Là, tu crois que tu vas la trouver au coin d'une rue là comme ça? Ah non, je dis pas que tu vas la trouver au coin d'une rue, je dis juste que dans ce centre-ville, il y a peut-être de belles choses à voir et je suggère, d'ailleurs Satan, tu vois, tu devrais tourner par là. C'est étroit, hein? Non, franchement, ça passe. On voit que c'est pas vous qui conduisez, hein? Ah, mais... Oh, putain. Pourquoi je me retrouve là? Si... Je voulais faire un tour dans le centre-ville, mais là c'est chiant quoi. Oh là, attends, tu colles un peu là, attention. Vers la droite, vers la droite. Voilà, décolle-toi un peu. Oh là, c'est fini les détours là. Je vous pose au camping et puis terminé. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, je suis là comme ça. C'est quoi ça? Faut aller voir. Break off. Oh, but they're fine. Brakes. Yeah. Oh, yeah. The wheels damaged. Ah ouais, du frein, ce sont des mécanos du camping. On est arrivé ce matin. We were driving in reverse and we just hit like a flower pot and it bumped. C'est grave du coup là. The thing is, is it very bad? Yeah, very bad. Can he drive? Can we still no, drive? No, you can't drive because the brakes not working. Vous allez plus pouvoir avancer. Bah, on peut plus avancer parce que la roue est bloquée. La roue, enfin, elle bloque et tout. Il y a un bruit. Oh, you have to go to the car. Yeah. You can't drive anymore. And the wheels inside are damaged. Ça va, mec? Putain, j'ai pas ma mère s'inquiète toujours pour rien, elle va péter un câble. Vas-y quoi, frérot? C'est ma mère, elle va péter un câble. Putain, ça me fait chier, quoi, vous me faites chier. Je voulais pas rentrer dans ce village à la con, là. Vous me faites n'importe quoi, là. Vous me cassez les couilles, quoi. Putain. Franchement, c'est une idée à la con, hein. Tout ça pour l'autre qui va retrouver sa pétasse à l'autre bout de la Drôme, là, j'en ai rien à foutre. T'avais pas savoir rouler, mon gars. Quoi, qu'est-ce que t'as dit, toi? Il a rien dit. Tranquille, ça va aller. Non. Il va en avoir pour plus de... Je sais même pas combien pour les réparations, frère. Faut que tu t'excuses, c'est un minimum. Attends, t'es sérieux ou quoi? T'as entendu comment il m'a parlé, le gars? En plus, il est blindé, t'as entendu sa daronne au téléphone. Oui, la piscine avec les grillons. Frère, c'est pas la question, ça se fait pas, ça. Non, mais de toute façon, à la base, il y a un truc qui me déplaît chez ce gars. Non, mais je te jure, il y a un truc avec sa tête, tu vois. Non, mais c'est vrai, il y a un truc où... On dirait il a une tête de... Je sais pas. Il a une tête d'enfant de cœur, tu vois. C'est ça qui m'énerve. J'aime pas sa tête.
Sérieux? Frère, ça, je peux pas consommer des trucs comme ça. Regarde plutôt la rivière. Regarde comment c'est beau, mon frère. T'es là, tu me parles de bêtises. Ah ouais, t'as ramené tes petites chemises de Babtou et tout, là? C'est quoi, ça? Basic. Sérieux, là, tu veux me tailler? Eh frère, Mago, elle vient du 14e arrondissement de Paris, vu sur le parc Montsouris, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je vais pas arriver devant elle comme un clochard. Faut un minimum que je sois présentable. Attends, qu'est-ce qu'elle a, ma chemise de Babtou? Non, mon gars, c'est pour toi que je le dis. Moi, j'ai pas envie que tu deviennes un bout petit, tu vois. Ces choses-là, elles arrivent vite. Ah ouais? Toi, tu vas me prendre comme ça, toi? T'es un ouf. T'inquiète pas. Personnellement, je sais qui je suis. Mais le délire, c'est que quand tu veux accéder à un certain standing, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es obligé de t'adapter. Tu vas rester un villageois toute ma vie, attends. C'est un camarade de promotion. En fait, il me propose de rester une nuit ou deux dans la maison de ses parents, dit. Mais et je me disais qu'on pourrait faire du vélo ensemble. Donc on pourrait faire du vélo ensemble, vu qu'il y a des beaux cols à gravir dans le coin, je me disais que ce serait bien. Oh. You alright? Can I help you? I'm alright, thank you. So, sorry. It was yours. Allô? Allô? Rien, je suis tombé, j'ai trébuché. Ouais, ça va. Non, c'est bon. Mais c'est rien, c'est un camarade de promo aussi, un Irlandais en Erasmus. Allô? Allô? Oui, ça va. Oui. Ça va et toi? Ouais, je suis désolée là, je peux pas trop parler après tu es à table. T'as pas 2 minutes? Bon, ok, attends, 2 secondes, je m'éloigne un peu. C'est bon, je suis dans mon salon. C'est trop beau là, on est en train de manger sur la terrasse et on voit genre le soleil qui se couche derrière la montagne. Mais aujourd'hui, il a fait tellement chaud. Je te jure, on a dû se tremper toute la journée dans la rivière. Ça tombe bien, moi aussi, je me suis baigné. Ah ouais? Et ça? Ouais. Devine. Non, devine. J'en sais rien, moi. Dans une rivière. Une rivière? Pas laquelle? Attends, je prends une photo, je l'envoie. T'as reçu? Allô? Attends, je comprends pas, t'es où là? T'es pas à Paris? Non, j'avais envie de prendre des vacances, moi aussi. Attends, je l'ai quand même pas ici. Si. Attends, si. Je comprends pas, t'es arrivé quand? Il y a 1 heure. Mais tu viens comme ça là chez moi sans prévenir. Bah, je suis pas chez toi, je suis à la rivière. Enfin, ça va, je suis pas sur les monts, enfin, tu vois très bien ce que je veux dire. Je voulais juste faire une sortie. Et tu comprends que là c'est complètement flippant là ce que tu fais. Bah, je voulais juste te faire une surprise, Alma. Attends, je viens de faire 600 kilomètres pour te voir. Bah, t'aurais pas dû, je sais pas quoi te dire, moi. T'aurais pu appeler au moins, prévenir. Je fais quoi, là, moi, maintenant? Je sais pas, moi. Bah,
tu vois le café du viaduc? Rejoins-moi là-bas demain à 17h. Salut. Tu la vois demain soir? Ah, demain? Pourquoi pas ce soir? Oh, ce soir, elle devait rester chez elle parce qu'il y a ses parents qui organisent un dîner avec des amis, tu vois. Mais tranquille, moi-même, ça me permet de me reposer un peu. Ok. Et ça lui a plu, la surprise? Mais comment tu veux que ça lui plaise pas, la surprise? Imagine ta go, il traverse la France pour te voir. Ça va te plaire ou pas? Oui. Bah voilà, ça lui a plu. Demain, Edouard, il va amener sa voiture au garage, demain matin. Donc on s'est dit, on a discuté tout à l'heure, on s'est dit que ce serait bien qu'il vienne dormir au camping avec nous, tu vois. Moi, je vais dormir avec toi et je laisse ma tante à Edouard. Je viens de te dire, demain, faut que je sois en forme. Toi, tu vas ronfler et tout, je vais passer une mauvaise nuit, tu vois. Franchement, il m'apprendra à rendre service à des gens aussi égoïstes et mal éduqués, là. Comment ça, mal éduqué? Parce qu'on n'a pas fait les scouts et les rallyes, on est mal éduqués, chaton. C'est bon, ça que... Merde, arrêtez de m'appeler chaton maintenant, hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Doucement. Fais attention aux mots que t'emploies toi aussi. Ça pue un peu. Mes pieds. Je suis désolé. Ouais, sans ça. Je crois que c'est ça. Puis la pisse en deux. Ouais, ça sent la pisse. Ça doit être les gamins du centre de loisirs, hein, qui ont dû pisser au lit en pleurant leur daronne tous les jours. Hein. C'est sérieux, là? Comment je suis dans le morceau, quoi? Ça te fait rire. Je peux toujours te prêter un deuxième rideau de ma mère, si tu veux. Vas-y. Putain, on dort dans des rideaux et tout. Et 100 euros, tout compris, j'aurais dû me méfier. Hein. Regarde-moi ça. Bonne nuit. Ah, c'est pas grave. Hey, frère, en fait, faut pas que t'en veuilles à Félix. Il paraît un peu brusque dans ses réactions, mais au fond, c'est un mec bien. C'est un mec sensible. Et puis, je sais pas ce qui se passe avec cette fille, là. Moi, je l'ai jamais vue comme ça. N'hésite surtout pas à me réveiller. Hein. Je vais essayer de pas trop ronfler cette nuit, mais bon. Mmh. Si ça te dérange trop, n'hésite pas. Ouais, t'inquiète. Moi aussi, pareil, je ronfle un peu. Ah ouais? C'est ce que m'ont dit plusieurs filles. Ah, ok. Bon, c'est bonne nuit, mec. Bonne nuit.
Mais c'est grave. Ah ouais, c'est un peu grave. Sans être grave, vous avez tordu le moyeu. En fait, le moyeu, c'est là où il y a le roulement de roue. Et du coup, vu que c'est tout de travers, ben, la roue force, quoi. Et la roue est pas droite. Donc il faut changer la pièce. Et ça prendrait combien de temps, du coup? Oh, ben, ça prend un certain temps, là, parce que là, il faut que je commande les pièces, il faut qu'elles arrivent, et puis il faut qu'on les change. Mm-hmm. Donc ça fait un petit délai, quand même. C'est-à-dire? On va vite passer une bonne semaine. À quoi? Une semaine? Ouais. Ah ouais, parce que les pièces, elles vont pas arriver du... Non, mais moi, je suis pas du coin, j'habite pas ici. C'est pas ma voiture, c'est la voiture de ma mère. Et ben, il faudrait appeler la maman, lui dire qu'elle est coincée là, la voiture, non? Oui, mais je l'ai appelée, mais enfin, c'est plus ou moins... Enfin, faut que ça reste discret, quoi. Discret, parce que maman, c'est pas que la voiture ici. Ouais. Ah, d'accord, je comprends mieux. Mais bon, de toute façon, on peut pas aller plus vite, hein. Ouais. On peut pas aller plus vite. Une grosse semaine. Faut attendre. Il va falloir profiter du coin. Faire des petites randonnées, du canoë. Il y a de quoi faire ici, hein, quand même. Bonjour. Bonjour. Petite fille? Ouais. Elle s'appelle comment? Ah, Mila. Elle a tellement des beaux yeux. Voilà, c'est l'éclat, quoi. Elle va retomber tous les trucs. Elle a capté que... Ça mais elle vous aime bien, parce que c'est un petit jeu que... Le voici. Ah bon? Oui. Ça va. Vous avez des enfants? Non. Elle l'a mis sur le pied, carrément. Hop! Waouh! C'est bien, ça fait deux anneaux. T'as des bling-bling partout, là. Salut. Désolée, on était à la rivière. C'est ma sœur, Lucie. Enchantée, Lucie. Félix. Cool. Ok, bon, moi je vais y aller du coup là. Et parce que j'ai un coup de téléphone à passer qui est hyper important et que je dois faire des courses pour ce soir. Mais tu m'appelles si tu veux qu'on rentre ensemble, ok? Ouais. Ok. Salut. Félix. Ciao. Bisous. Juste poser mon vélo, j'arrive. Vas-y. Ça va bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Oh, mais t'as pris un café, là? Il fait super chaud. Enfin, bon, tu fais ce que tu veux. Je sais pas quoi prendre. Toi, t'es en Perrier. Moi, c'est bien. J'aime pas ce café, en fait. Ça va, il est bien, quand même. Je sais pas, je trouve qu'il y a une belle vue. Il est sur un pont, il y a du passage, il y a du vent. Ouais, enfin moi je la connais par cœur la vue. Hein. Je suis désolée hein, pour hier. Je sais pas trop ce qui m'a pris. J'aime vraiment pas les surprises. Vraiment pas. Je me souviens une fois ma mère elle avait essayé de me faire un anniversaire surprise et je me suis mise à pleurer. Je suis allée m'enfermer dans les toilettes. Non, bref, catastrophe. Ça va, elle a au moins été venue, ça veut dire que c'est bon signe pour moi.
C'est bien le camping? Ça va. Tu devrais tester leurs soirées karaoké. Elles sont assez cool. Avec ma sœur, on y va parfois. Ça fait longtemps que vous venez dans la région? Ouais, plutôt, ouais. Depuis que j'ai 6 ans, quand mes parents ont acheté la maison. Ça doit être ici que t'as eu tes premiers amours de vacances. Mêle-toi de ce qui te regarde. Je sais pas, ça dit pas que, je sais pas, qu'on aille se balader un peu. Les cafés, c'est bon pour Paris, quoi. On peut se mettre là, c'est bien, non? Bah, toi, mets-toi là, moi, je vais aller de l'autre côté, pour me changer. Mais vas-y, hein. Je dois finir de me changer, mettre ma crème parce que j'ai un traitement pour l'acné. Pourquoi? T'as une très belle peau. Mais si tu m'avais vue il y a quelques mois, c'était pas la même chose. Hein. Je suis sûre que je devais être très belle avec plein de petits boutons partout. Oh, arrête, c'est dégueulasse. Bah, si tu veux, je t'aide à l'étaler. Mais puis quoi encore? Bon. Chérif, ouais. Viens voir. Monsieur. Ah ouais, il est bon. Hein. Moi, j'y croyais pas au truc de la surprise. Femme qui rit, femme dans son lit. C'est beau quand même. Hein. Ouais. C'est fait rêver. T'as une copine toi? Non. Et toi? En ce moment, non. Ah ouais, tu viens de te séparer? Non, non. T'es sur un coup? Non. Si, pas vraiment, mais. Bon, t'es un galérien comme moi, enfin. Galérien, le mot est un peu fort. Ah si, un galérien, mec. Ouais, je suis un galérien. Mec. Ça va vraiment bien. Oh, ça va, on est bien là, quand même. J'ai froid. Oh. Non, arrête. Ah. Attends, enlève-moi. Oh, si, viens. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je me suis fait super mal au pied, là. Vraiment mal? Oui, genre vraiment mal. Merde. Vas-y, fais voir. Il faut pas aller à la rivière, hein. C'est pas propre, c'est plein de staphylocoques, c'est un truc de touriste hollandais. Oh. C'est vrai qu'il y a du tout à l'égout qui va dans la rivière? Ouais, c'est ce qu'on dit. Hein.
Faut venir ici, hein. Avec le chlore qu'on balance, vous êtes tranquille, vous risquez rien. Puis je peux te sauver si tu te noies. Tu sais quoi, la touche pas, je vais le faire moi-même, je suis infirmier. Non, désolé mon pote, mais c'est pas libre service. Je suis pas ton pote. Non mais tu te calmes là. Bon. Je vais emballer ton pied avant que monsieur me provoque en duel. Je me sens pas très bien, tu pouvais pas aller me chercher un truc à boire, s'il te plaît. T'inquiète pas, je m'occupe d'elle, hein. Il fait le malin, toi, on se reverra. Il soupolait un peu, hein. Oula. Je m'appelle Martin, c'est quoi ton prénom? Alma. Alma? Ouais. Ça veut dire qu'il y a la salive fraîche. Tu sais ça? Non. Je crois pas que ça veuille dire ça. Si, si, c'est ça. J'ai rencontré une Alma quand j'étais au Maroc, elle m'a dit ça. T'es allé au Maroc? Ouais. T'as fait quoi, là-bas? J'ai fait du stop de Fès à Essaouira et après j'ai fait du surf. Sur la côte atlantique. Tu peux tenir ça deux secondes? Ouais. Merci. Oh, trop bien, tu fais du surf. Ouais. Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît. Merci, je suis bientôt arrivée. Je n'ai pas parlé de toi à mes parents, donc c'est peut-être mieux qu'on se dise au revoir ici. Bah, montre-moi au moins ta maison. C'est elle, là. Avec les volets bleus. Je suis pas trop leur genre, c'est ça? Quoi? Mais t'es complètement à côté de la plaque. Mes parents sont très ouverts. S'ils sont très ouverts, alors tout va bien. Oh, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi, rentre au camping, ça vaut mieux. Attends, Alma, t'en as pas marre de faire ta princesse et de me donner des ordres, là? Déjà, tout à l'heure, tu m'envoies au snack alors que t'es en train de parler à l'autre bouffon. Il est là à te baiser les pieds. Baiser les pieds? Mais mettre un pansement, t'appelles ça baiser les pieds? Mais c'est tu dois aller te faire soigner, hein. Bon. Oui. Attends. Lâche-moi. Je te laisse si tu m'écoutes deux minutes. Tu me lâches? Je déteste le chantage. Ok, je suis désolée. Ça te suffit pas de m'avoir ouvert le pied, faut en plus que tu me casses le bras. Je suis désolée de t'avoir fait mal et je suis désolée de m'être énervée, ça te va? Tu viens dans mes bras au moins? Ça marche pas comme ça, hein. Là, tu vois, j'ai pas du tout envie que tu me touches. Bon, on se voit demain. Je peux pas, demain, je vais faire une randonnée avec ma famille. Mais je sais pas, peut-être demain soir, si je suis pas trop fatiguée. Je t'appelle, ok? Salut. Bon. Frère, je t'en voulais. Non, je suis pas dedans. C'est bien, c'est bien, ça passe le ventre et tout. Si tu veux prendre, prends, frère, moi je suis pas dedans. Bon, faut qu'on soit d'accord. Bon, les lumières, ça a rien d'y penser avec toi. Vous avez déjà fait du canyoning? C'est quoi ça? C'est... On descend un canyon. J'en ai déjà fait en Corse. C'est vachement marrant. Ah, il y a de l'eau et tout. Non, moi je peux pas rentrer dans l'eau avec mes otites. Ah ouais? Ouais. Félix? Moi je suis pas là pour ça. Ils sont forts en marketing, ces bâtards. Ah, tu te rends compte, regarde, c'est bien présenté là. On dirait que c'est une petite daronne qui l'a fait. Je sais même pas ce que c'est ça. Non, des flageolets. C'est des haricots, ça, c'est des patates. Heureusement qu'on a pris mon melon. Hein. Putain, mec.
Quand j'étais en licence, j'avais des bonnes notes et mes profs, ils voulaient que je passe les concours pour les grandes écoles de commerce. Mais en vrai, même si on m'avait payé les frais de scolarité, je serais jamais rentré là-bas. Enfin, je laisse ça aux gosses de riches. Je te rends compte qu'on leur apprend à vendre des bails comme ça, bien emballés, là, aux pauvres. C'est chaud, quoi. Et les mecs, ils achèteraient même pas ça eux-mêmes. Ils savent très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Les gosses de riches, je sais pas, quand même. Les écoles de commerce, je sais pas, il y a un concours sélectif. Il n'y a pas que des gosses de riches. Vas-y, les gars, je crois que je vais vous laisser. Je vais aller me coucher. Ok, ouais. Demain, frère. Bonne nuit, Félix. Bonne nuit. On s'ennuie jamais en vélo, c'est toujours différent. Hein. Le paysage, le vent, la pluie. Puis c'est de l'aventure, quoi, surtout en montagne. Quand on grimpe un col, c'est un combat contre toi-même, tu te mets au défi. Et quand tu arrives au sommet, t'es vidé, mais t'es heureux, tu te sens puissant. Bah alors, ça tombe? Qu'est-ce que tu fous, là? Fais pas le malin, hein? Tu vas te mettre dans le rouge? Ça, c'est une erreur, hein? Ouais, ouais. On se retrouve au sommet du col. Ça tombe. T'es arrivé il y a longtemps? Il y a 10 minutes. Ah ouais. Du gérer le cassoulet. Il ronfle, hein, shérif. Hein, c'est... J'ai mal dormi aussi. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Tu vois ce vent là, ce petit vent comme ça, le vent de l'altitude, ça fait plaisir quand même. Oh, je te jure, ça me rappelle tellement de trucs. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire là? Oh, on va faire, juste tu vérifies qu'elle ne sort pas du drap, qu'elle ne met rien dans sa bouche. Et puis voilà. Ouf. Il a fait les papilles. J'ai vu ça. Il a attaqué mes lunettes. Je peux pas les laisser. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, tu me dis, d'accord? Ok. Je le dis. Hey.
mais non, c'est un refus. Hé, hé. Hé. À tout de suite. À tout de suite. Tu m'as l'air parti pour être une jolie petite fille, toi. Hein, comme ta maman. Faudrait être gentil avec les galériens comme moi. Hein. Bon, toi, ça a l'air d'aller. Je pense que t'as un bon fond, là. Ça va le faire. Eh, ouais, oui, je sais. Bah, bon, attends. Eh. Regarde, maman. Regarde. Oh, regarde, maman. Regarde, maman. Coucou. Et maman, elle va faire un petit plouf. Un tout petit plouf, comme ça. Pas un gros plouf, comme si moi je sautais, mais un joli petit plouf. Ah, mon darlin. Regarde. Elle fait coucou, tu fais coucou. Et... plouf. Regarde, maman, comment elle se baille, là. T'as eu le temps de lire? T'as eu le temps? Ça va, ça a été? Oh, oui, oui, c'est très bien passé. Ça a été, là. On a un bon feeling entre nous. Hein, Nina? Ben, je vois ça. En tout cas, je te remercie. C'était vraiment super agréable. Tu vas pas te baigner, toi? Non, moi, je peux pas avec mes otites. Des otites comme les enfants. Ouais. Bon, je vais y aller, moi. Ben, reste un peu avec nous. Enfin, sauf si tu préfères lire ton livre tranquillement. Je comprendrai. Je veux pas déranger. Tu ne déranges pas du tout. Il a dû repartir en urgence parce que il avait un problème sur le chantier du restaurant qu'il est en train d'ouvrir là chez nous à Lille. Et il devait revenir au bout de 2 jours. Et là, ça fait, avec les complications, ça fait que c'est 5 jours que je suis toute seule avec Nina. Voilà. Non, Nina. Mais ça va. Hein. Bah oui, on est bien quand même. On t'amuse bien. Moi, ça n'a jamais été trop mon truc les vacances. Ah ouais? Non. Enfin, quand j'étais petit, mes potes à la cité, ils partaient avec le centre de loisirs, là, au bord de mer et tout. Écolo. Ouais. Moi, mon truc, c'était plus genre un panier de basket et un ordinateur, et c'était réglé, quoi. J'étais bien. Et t'habitais où? Moi, j'habitais à La Courneuve. Mais non. Si. Mais non, mais tu sais que moi, j'habitais à Stan avant. Non, sérieux? Mais oui, à Stan. Genre à côté de... Ben, c'est juste à côté. Des voisins. Mais grave. Attends, je suis choquée. Elle est au Carrefour et tout. Mais ouais, le Carrefour. Le Carrefour, le centre commercial et tout. Mais oui, il y avait un Starfoot, je sais pas si tu connais. Bah, à l'entrée, là. Starfoot. Oui. Bah, c'est fou, j'y allais tout le temps. C'était tellement bon là-bas. Ouais, c'était... Mais c'est encore ouvert ou pas? Tu sais? Oh, je crois qu'ils ont fermé maintenant. Bah... Ça fait longtemps quand même. C'est trop dommage. Ah ouais, d'accord. Bah oui, oui, oui. Oui, j'étais là-bas jusqu'à mes 14 ans et après, mes parents, ils ont trouvé que le quartier craignait trop. Donc on est parti vivre à Lille. Mmh. Mais tous mes potes, ils étaient à Stan. C'est énorme. Gars, t'as psychoté là, lâche ton téléphone. Je psychote pas, elle aurait pu m'envoyer un message. La meuf, ça se trouve, elle est en train de dîner. Enfin, laisse-la, elle est avec ses parents, laisse-la tranquille. Ouais, mais même là, nous, on est en train de dîner. Je regarde quand même si elle m'envoie un message, ça prend rien, c'est 2 secondes. Ouais. Elle est occupée, tu es occupée. Voilà. Elle s'en fout. Ah ouais, je l'avais pas vu, lui. Mais t'inquiète pas, on va trouver un moment, on va le défoncer comme il faut. Ouais? Bah ouais, 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 il nous a trop cherché, là. Ouais, c'est vrai que les mecs comme ça, un peu surfeurs, qui se la racontent, quoi. Moi, j'aime. Je supporte pas ça. Moi, je dis, il faut lui pendre son chien avant de partir. Ah ouais, t'es trash, toi. Il est trop dangereux, lui. C'est pas le chien, attends. C'est un golden, c'est gentil comme tout, ça. Faut pas s'en prendre à l'animal, hein. C'est l'homme qui est fautif. Le gars, lâche ton téléphone, c'est bon, laisse-la venir. Ah, mais s'il vient pas. Les femmes, tu sais, c'est pas facile, mais parce qu'il faut se faire désirer. Quand on se rend pleinement disponible, ça marche pas, quoi. Je pense que... Les femmes, elles aiment pas les toutous, quoi.
Ouais, ils doivent préférer les chatons. Ouais, non, c'est vrai. J'aurais dû naître chaton au lieu de toutou. Ouais, c'est rigolo. Allô? Ça sert à rien de m'appeler 12 fois, si je te réponds pas, c'est que je suis en train de faire un autre truc. Ah, puis en plus, non, je veux dire, là, Félix, je vais me coucher, je suis en pyjama. Oui, je vais me coucher à la sortie. Non, mais attends, Alma, ça va pas de parler aux gens comme ça, là? On t'a pas sonné, toi. Non, mais surtout à ce garçon qui a fait tout ça pour toi. Ben, moi, j'ai rien demandé à ce garçon. Mais c'est peut-être parce que tu lui as laissé croire des choses, non? Mais je vais jamais rien laisser croire du tout. Et puis en plus, d'ailleurs, hier, je suis allée prendre un café avec lui alors que j'avais pas du tout envie de le voir. Fais attention, Alma, parce que tu vas vieillir un jour. Et si tu continues à être cruelle comme ça, en fait, tu deviendras juste une vieille sorcière. Mais là, tu sais ce que t'es en train de faire? T'es en train de me mettre tes peurs à toi sur moi. Je veux dire, j'ai 22 ans, hein, tout ça, c'est dans longtemps. En tout cas, dans plus longtemps que toi. Au revoir, merci. Merci pour la glace, en tout cas. Ah, de rien, ça me fait plaisir. C'est bon? Je peux goûter? Bon, vas-y. Attends. Je vois. Vanille, classique. Oh, le bordage! Voir du 19e. Ah ouais. Non, mais tu vois, je fais des petits travaux honnêtes qui font de mal à personne. Je lave des carreaux, je ramasse des fruits, je soigne des pieds. T'es un peu un lonesome cowboy. C'est ça? C'est ça. C'est, tu dois plaire aux jeunes meufs, enfin aux jeunettes, quoi. Ouais. Au moins.
moins jeune aussi. Et toi, ça t'arrive pas d'angoisser par rapport à tout ça? Enfin, je comprends, tu vois. Enfin, je sais pas, je me dis... Si on... Enfin, on peut pas y penser tous les jours, quoi. Sinon, on se tire une balle, quoi. Enfin, je suis désolée, hein, mais... Ouais, mais c'est peut-être ce que je vais finir par faire. Ils sont où tes toilettes, s'il te plaît? Ma mère m'a appelé tout à l'heure, j'ai même pas répondu. Faut que je la rappelle demain. Ta mère, arrête pas, hein, si tu veux, avec Félix, on lui met un petit coup de pression comme ça. Tu veux pas? On l'appelle, on lui met un coup de pression, peut-être. Mais ça fait peur, elle le dit comme ça. Mais non, c'est un coup de pression au téléphone, c'est gentil. Ouais, ouais, non, je me débrouillerai. Mais... Mais les gars, c'est allemand. Oh. Non, c'est... Allemand! Et attends, attends. Putain, mais les gars, vous venez ou quoi? Putain, mais frère, tu crois que c'est une bonne idée d'aller là-bas, là, comme ça? Tu veux pas attendre demain de lui parler, là, tranquillement? Je m'en fous, elle s'est moquée de moi, faut que je lui dise ce soir ce que je pense d'elle. Tu crois vraiment que ça va changer quelque chose d'aller faire un scandale sous ses fenêtres, comme ça? Et on en est plus à ranger les choses, là. Putain! Mais tu penses pas qu'on devrait le maîtriser par la force, là? Non, mais frère, t'es teubé ou quoi, là? Alma! Alma! Alma, je sais que tu dors pas, descends! Mon gars, vas-y, garde ta fierté, là! Qu'est-ce que tu nous fais, frérot? Faut qu'elle descende. Faut qu'elle descende, faut qu'elle descende, on a à parler. Mais mon gars, t'as trop de violence en toi, là! Vas-y, vas-y, lâche-la faire! Attends, regarde, 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 si tu veux. Alma! Bon, elle descend pas, elle descend pas, je bouge pas! Alma! Mais ça va pas crier comme ça ou quoi? T'es complètement malade? J'ai pas envie de te voir, ok? Donc tu pars maintenant ou j'appelle les gendarmes? Mais appelle les gendarmes, si tu veux, je bougerai pas! Mon gars, tu vas Alma, pas aller... tu laisses pas. Tu vas pas aller en garde à vue pour une meuf que t'as vue deux fois dans ta vie, c'est quoi ça? Attends, tu crois qu'elle est sérieuse là? Elle va appeler les flics? Parce que moi, j'ai pas mes papiers sur moi. Mais non, mais vas-y, va rien t'arriver. Mais toi, Alma, au moins le courage de descendre me parler, non? Bah, de toute façon, je laisserai pas embarquer Félix tout seul, hein. Moi, s'ils le coffrent, bah, ils me coffreront aussi. Félix. Alma, elle descendra pas, en fait, là. Elle va rester là-haut et moi, je descends parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une impasse, tous les deux, là. Vous arrivez plus du tout à communiquer. Moi, je suis pour la communication non-violente. Et je pense que là, il faut juste que vous parliez calmement. Et il faut que tu t'ouvres à elle, en fait. Il faut que tu lui dises que t'as besoin qu'elle soit claire avec toi. Est-ce que tu m'assures que je parlerai demain avec elle? Demain, demain matin, non, parce qu'on fait du canyoning, mais demain, en fin d'après-midi, elle t'appelle. Canyoning? Mais c'est génial, ça. Vous en faites avec Drôme Aventure, c'est ça? Non, on en fait avec des copains qui ont un brevet de canyoning. Mais Félix, c'est génial, ça. On devrait faire ça, avec eux. On pourrait venir avec vous, on ferait une activité ensemble. Je veux dire, c'est beaucoup mieux que de te donner un coup de fil non, ou de parler à un café, quoi. Moi, je viendrai pas. Enfin, j'ai des otites et tout, je t'ai déjà dit. Bon, Félix, j'y vais avec toi. Il y aura des paysages magnifiques, on va faire une activité ensemble, tu pourras mieux lui parler, c'est, quoi. C'est pas du tout sûr, en fait, que vous puissiez venir. Il y a une embuscade? Alors non, en fait on était ensemble hier et on a parlé du canyoning et du coup ils avaient peut-être envie de venir mais je sais pas si c'est possible. Je leur ai dit que c'était peut-être pas possible. Vous en avez déjà fait? Ouais, j'en ai déjà fait, ouais, en Corse. Et Félix, ici présent, c'est un grand sportif. Il fait de la boxe, il a gravi le col de la Chaudière avec moi l'autre jour, avec bravoure. Ah bon, ah bon. Et ça ferait plaisir à la grande blessée? Oui, bah oui. Je sais pas. Oui. Oui. Et bah devant tant d'enthousiasme, j'accepte, avec plaisir. Cool. À une condition, c'est que monsieur promette de pas me jeter dans un précipice. Thank you.
le trou, hein, ça y est, on y est. Allons, le pied. Allez. Ok. Allez, ça tombe. Même Lucie, elle était en bas, elle a crié, ça fait trop bien. Félix, s'il te plaît, descends avec moi, tu vas bien. Je vous laisse parler ou quoi? Arrête, lâche-la, c'est bien. Félix, je te jure, ça va bien. Arrête, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Vas-y, viens, je t'accompagne. Non. Regarde, tu lâches presque beaucoup de choses, laisse-moi faire, descends avec moi. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Ah, rien de crier, tu vas la stresser pour toi. Alma, chose, ça va? Calmez-vous. Ah non, ça va pas. Oh. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils... Regarde maintenant, il lui fait un massage, l'autre donjon. Ah, là, arrêtez, vas-y. Calmez-vous là. Il m'en fait tout le temps quand j'ai des crises d'angoisse, c'est rien sexuel. Ouais. Ah, quand même. Non, mais en fait, moi ça me fatigue. Elle fait son intéressante en fait. Non, là, elle a juste besoin d'être. Non, mais je la fais les barrières. Oh fait... Hey, Alma, en fait, tu descends. Juste, tu descends, tu sautes. Dis-moi, Félix, t'aurais pas un peu de weed à dépanner? Quoi? La weed. Tu sais quoi? Demande à lui. Demande à lui, il en a beaucoup, quoi? Lui. T'as de la weed par hasard? La weed. Mais quoi? À fumer. La weed? Oui. Pour Alma? Non, pour moi. Je comprends pas. Bah, à fumer, allez. Ah, de la drogue? Ouais, ouais, ouais. Non, je me drogue pas, moi. Ah. Donne-moi la main. Donne-moi la main, s'il te plaît. Ça fait mal. Alma, donne-moi la main. Donne-moi la main. Regarde la main. Je fais un bas, et tu fais pas besoin de tomber lent, mais juste un bas. Lâche la parole. Allez. Allez. Allez, le plus dur est fait, libre. Ah. Deux. Non. Allez, toi. Ah. Deux. Toi. Non. Allez, coup. Ah. Deux. Trois. Match. Ça se fait pas. Ok, Azo. Neuf. Funf. Ah, elle vient de dire funf. Oh. Et ça glisse, hein? Ouais, ouais. Ça glisse, ouais. Ça glisse un peu, ouais. Ouais.
Mais c'est le filet. C'est une reine, je suis à vie. Ah. Attends, j'arrive. Je pille. Je pille. Tu vois, moi, depuis un an, j'ai mis entre parenthèses mes études, j'ai arrêté la danse. Et pour lui, c'est comme s'il n'y avait rien de changé. Peut-être qu'ouvrir un restaurant et avoir un bébé dans la même année, c'était pas une bonne idée. C'est quoi comme restaurant ? Une pizza napolitaine. Ça a l'air bon, ça. En fait, ses arrière-grands-parents étaient italiens et ils sont venus après la guerre travailler dans les mines. Donc il a ça dans le sang. J'ai raconté, je me suis fait agresser dans le Yucatan au Mexique. Ça s'est passé exactement comme ça, il m'a fait une clé de bras pour me prendre des sous. Et ça m'a fait mal 2-3 jours. Après, ça, c'est parce que le ligament est distendu, t'as un petit œdème, tu vois. Tu sais, de toute façon, s'il t'ampute, les femmes adorent les moignons. J'ai vu un mec sur internet, il s'est tatoué un requin au bout de son moignon. Tu vois, la gueule du requin. Attention, arrête, hein, c'est fou. On va faire du sexe un peu alternatif. Doucement. Merci pour cette délicieuse journée. Nicolas, je suis désolé. Toi, tu restes. Tu me tiens au courant ? Quoi, comment ça, je reste ? On passe à l'hôpital, je t'invite à dîner. Ah non, mais je dîne avec toi si j'ai envie, en fait. C'est pas la peine de faire une mail ? T'as cru que ça allait se finir comment ? Bah, je sais pas, peut-être chacun chez soi, quoi. J'ai pas du tout une marie-couche-toi là, hein. Plus, s'il te plaît, on y va. J'ai pas dit ça, je t'invite à dîner. Ok, je reste. Je reste. Je reste et on se voit ce soir ou demain. Ciao. Salut. Félix, attends. Je pourrais te parler 2 minutes, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Je voulais m'excuser. Je suis vraiment désolée. Je sais pas trop ce qui m'a pris de me comporter comme ça avec toi. J'ai vraiment été conne, quoi. C'est beau, en tout cas, ce que t'as fait d'être venue jusqu'ici. De toute façon, je crois pas que je mérite d'être aimée comme ça. Voilà. Tu connais mon vrai visage. Je pense pas que tu sois une conne. Je pense que tu mérites d'être aimée, mais c'est ce que mon monde n'était pas fait pour se rencontrer. Voilà. '69, Nina with the banana spoon. Let's go.
Nina, 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 everybody from the crowd. Everybody, crowd is living. Let's go. Yes, yes. Nina for the win. Let's go. Vote. Yes. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va ou quoi? Ouais. On peut parler vite fait? Ouais, vas-y. Gars, attends. Je comprends, c'est pas facile et tout, mais moi j'ai pris des risques au niveau de mon employeur pour venir jusqu'ici. C'est pas pour partir au bout de 3 jours, là. Enfin, maintenant qu'on est là, il faut qu'on en profite. De quel risque tu me parles? C'est plutôt que tu veux rester pour la daronne, là. T'es sérieux quoi? T'es là, tu fais du babysitting pour elle. Si tu veux faire du babysitting, t'aurais pu faire ça à Paris. T'es là, tu gaspilles ton temps ici, frangin. Mais mon gars, attends, il faut que tu t'arrêtes là. Toutes les relations, elles tombent pas autour du sexe, de l'amour ou je sais pas quoi. Il y a des relations qui sont désintéressées. Je dis pas le contraire, mais toi, en tout cas, tu t'arranges toujours à être avec des meufs, soit qui sont en couple, soit qui sont mariés. En tout cas, tu te mets toujours avec des meufs avec qui il peut pas avoir de relation amoureuse. Ça se demandait si t'es pas gay, mon frère. Réagis un peu. Mon gars. Si tu veux partir, pars. Moi, je reste. Attends, t'es sérieux? Tu me lâches, là? Vas-y, casse-toi. Tu fais quoi demain? Rien de spécial. Je crois que tu pourrais garder Nina pendant 2 heures, ça t'embête. Parce qu'en fait, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui fait des massages super en ville et j'aimerais vraiment me détendre là. En fait, si tu cherches une nounou et un babysitter, il faut que tu prêtes les annonces. Je sais pas si t'as compris, mais je suis en vacances en fait. J'ai compris. Mais pourquoi tu t'es là? Bon, shérif? Shérif? Pour ma dernière nuit, je vais aller dormir à la rivière. Je vous laisse m'attendre.
depuis des heures à l'endormir. Faut surtout pas qu'elle se réveille. Ça va? Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Mais j'aurais pas dû réagir comme ça. C'est pas trop dans mes habitudes. Et je me suis embrouillé avec mon pote et j'ai tout mis sur toi. Je suis désolé. J'aurais pas dû faire ça. C'est moi qui m'excuse. J'étais un peu accaparée ces derniers jours, j'étais saoulée avec mes problèmes. J'aurais pas dû te demander ça en plus. Non, mais tu m'as pas saoulée du tout. Au départ, j'attendais rien du tout de ce voyage. Et je sais même pas pourquoi je suis venue jusqu'ici. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'être avec toi, avec Nina. Ça m'a donné de l'importance. Vraiment. Nous aussi, ça nous a fait très plaisir. Mais c'est pas fini, tu pars pas demain. Bah si. Justement, c'est pour ça que je suis venue. C'est pour qu'on reste pas là-dessus. Mais c'est triste. Tu vas nous manquer. Je me disais, comme c'est mon dernier soir, ce serait bien qu'on aille boire un verre au snack. Qu'on fasse un truc d'adulte une fois, quand même. Truc d'adulte, c'est-à-dire ? Non, je sais pas ce que je voulais dire. Enfin, un truc de grande personne, de... Oui. Enfin, bref, pardon. C'est important. Non, mais j'aimerais bien, mais bon, je vais pas réveiller Nina, puis je peux pas la laisser toute seule. Non, il s'agit pas de la laisser toute seule, enfin... Le snack, il a deux minutes. Je donne 20 euros à un petit Hollandais, là, de 16-17 ans. Et voilà, ces gens-là, ils sont carrés. Je pense que ça ira. Non, mais déjà, dehors, je vais pas te laisser payer pour garder ma fille. Bah, pourquoi pas? Enfin, c'est moi son babysitter principal. S'il s'agit d'un remplacement, c'est moi qui dois payer, c'est normal. Et de deux, je vais pas laisser Nina une gamine ou un gamin que je connais pas. T'imagines, c'est quoi que ce soit? Je connais ce nom. C'est Edouard. T'as vu ? Les cornichons, la moutarde et le beurre, la tailleule et les cornichons, les biscottes, les chaussures et puis les cornichons. Et maintenant, mon frère, il est là, chéri.
Apaisant de la voir dormir comme ça. Mieux qu'un joint. Merci. Non, non. C'est moi, elle est adorable. Elle est heureuse. Non, non, attends, attends. C'est quoi qui parle ? Non, 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 vous battez pas là. Rangez votre argent. Vraiment, ça m'a fait plaisir. J'ai vraiment passé une belle soirée. Ciao. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dansé comme ça. Moi aussi, ça faisait très longtemps. Bon, je vais y aller. J'irai, non? Salut. Salut. Je t'ai entendu chanter, c'était magnifique. T'as tout entendu ? Ouais. Merci. Une voix comme ça qui sort de la rivière le matin, c'est comme dans un songe, quoi. On aurait dit une sirène. Ah non, non, c'était comme moi. Mais c'est pas toi qui as fait le spectacle de clown l'autre jour en ville ? Ah, mais c'était trop bien. C'est vrai, c'était. Ouais, grave. Tu sais tout faire, en fait. Oh là là, non, moi j'ai l'impression de faire un peu tout.
Arrête. Qu'est-ce que je devrais dire ?